Et cucu YouTube est désolé pour eh bien, le non-live, hein, parce que j'ai voulu recommencer le live et ça a merdé en fait, ça faisait les montagnes russes au niveau de la sortie d'OBS, au niveau de la connexion. C'est le serveur YouTube qui merde, ce n'est pas ma connexion, puisque je peux faire des lives sans problème sur Twitch, puisque vous allez regarder encore une fois une rediff Twitch. Enfin, si vous la regardez, parce que franchement, on se pose la question des fois. Alors, on est parti, donc Pulco s'est levé. Pulco s'est levé et il a faim. Voilà, on est quoi? On est samedi. Ah oui, on est samedi. Donc du coup, j'ai l'impression que le son va être super fort dans mes oreilles. J'ai très peur. On est samedi, on s'était dit qu'on allait bosser sur ses compétences. Je vais lui faire terminer de faire ses devoirs et puis après on pourra bosser sur ses compétences, quoi. Puisqu'il faut bien sûr arriver à compétence 10 en physiologie, plus toutes les améliorations, en bricolage. Et en logique, parce qu'il faut faire son aspiration qui inclut les 10 points en logique. Voilà. Je sais pas du tout, Switzen, je sais pas. Faudrait que j'essaye de. De toute façon, sur Twitter, ça. Ils me répondront pas, YouTube, c'est clair et net. Mais faudrait que je vois s'il y a un mail ou une connerie, parce que ça. Je ne comprends pas. Salut Marie! T'as raté le non-live sur Twitch, sur YouTube. Ça. C'est les montagnes russes, tu vois, là-bas. Je passe de 6000 en sortie à 0, à 1500, à 3000, à 0, à 1500, à 3000, à 4000, à 0, à 600. Donc, quand j'ai voulu recommencer en coupant, ça a merdé trop. J'ai dit, elle va te faire foutre, YouTube. Et puis, voilà. Donc, on trouve nos petits amoureux qui sont pas amoureux. Et lui grandit. Il grandit. Il vieillit, non? Oh, putain! Pardon. Je pense qu'on va avoir droit à Bordeaux vieux avant la fin du live là. Encore un entretien. Ah oui, c'est vrai, j'ai cru voir ça. Ça s'est bien passé, j'espère. Entre la fac, la physiologie, la logique et le bricolage, il va pas s'ennuyer le petit Pulco. Non. Non, non, il va pas s'ennuyer et en plus de ça, il va falloir qu'on lui trouve une donzelle pour pouvoir se reproduire. Parce qu'on va pas attendre qu'il ait le diplôme, hein. Bon, alors papa, tu vas faire la vaisselle. Toi, tu vas être douché. Tonifiante, c'est bien. Et tu vas pisser. Allez, on s'en fout. Pourquoi il y a des décos? Je me souviens pas. Ah, il y avait eu le jour des gnomes à la con, là, c'est ça? Ah, je me souviens. Je vais zapper. Mais. Ah oui, c'est vrai, ils savent plus prendre de douche. J'ai cru voir ça, c'est un nouveau bug. Super, hein, on est content. Ils arrivent plus à se laver dans les douches. C'est génial, hein. Ah, celle-là, oui, ça marche. Ça nous fait juste perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme truc tout de suite maintenant? Bricolage, on est au 6 à 6,21. Fuséologie 6,40. Alors, on va faire un peu de bricolage. Tu vas fabriquer un meuble, une étagère, et puis une table de salle à manger. Après, je lui ferai ses devoirs quand même. Si, bon, il faut pas déconner non plus. Ah oui, c'est vrai! On avait fait connaissance avec les trois meufs de la truc. C'est sa tante. C'est dommage. Les trois là, c'est les meufs qui sont de la truc secrète là. Eh, j'avais oublié, il s'est passé trop de choses en une semaine, vous voyez. Oh non, pas Bordeaux, tous les problèmes s'enchaînent. Ah bah. Il faut bien qu'il vieillisse le pot, mais on pourra le marier comme ça. C'est ça qui est bien. C'est qu'on pourra le marier. Mais voilà, il fait sa vie tout seul, hein. Il fait ses trucs sur internet là, tout va bien. Donc en fait, on a beaucoup de choses à faire avec Pulco, hein. Voilà. On s'en fout de l'esprit de génie. Toute façon, je pense qu'avec ses cours, il apprend aussi, hein. Je voulais lui faire part. Alors, c'est en ce moment. Ah non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça, c'est intelligentissime ce que je voudrais qu'il aille. C'est le lundi de 15h à 19h.
Ok. On verra. Alors, il a fini. C'est très bien, mon petit. Maintenant, tu vas faire tes devoirs. Tu vas faire un devoir. Ah, punaise, je voyais pas le truc. Je fais... Oh! Allez, tu vas faire celui-là. Oh, le pied de faire ses devoirs au grand air, au soleil, à côté de la pistouche. Avec vue sur sa belle fusée. La journée, les journées vont passer trop vite avec Pulco, je le sens, parce que il y a tellement de choses à faire avec lui. Ah non, non, Bordeaux, non. Non, 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 c'est bon, là. Va nager. Va faire des longueurs. Va pas emmerder ton fils, il a plein de choses à faire. Il n'a pas le temps. Voilà. Bordeaux va bientôt mourir. Mais non, pas tout de suite, tout de suite. Dans deux, trois épisodes. Pareil, les douches, il reste une plombe sans se laver. Ouais, c'est ça, c'est un des nouveaux bugs que j'ai vu apparaître. J'ai changé ma douche baignoire en une douche simple et ça marchait. Oui, c'est ça, c'est les douches baignoires qui fonctionnent pas. Bon, c'est forcément un peu plus mieux d'avoir une douche baignoire quand t'as des bambins, mais bon. Salut Servule, comment tu vas? Bah ben voilà, pendant ce temps-là, l'autre il tourne dans sa piscine comme un lion en cage. Ah, il est déjà tard! Il va être 16h. Qu'est-ce qu'on va faire? Non! Non, Bordeaux! Non, Bordeaux! Va prendre ta douche infinie là! Là, tu ne nous emmerderas plus. Je suis affreuse! Je suis horrible! Ça va, Servule? Salut, Anous, comment tu vas? C'est bon, j'ai enfilé mon pige, je peux être attentif, j'ai raté quoi? Rien. Rien. Bah rien, il a fait deux meubles, et puis... Alors il a pris son petit déj, ils ont discuté, et il a fait deux meubles, et puis voilà, il fait ses cours. Oh punaise, ça a été vite là, d'un coup! La vache! Fais voir. Devoir terminer, et devoir pas commencer. Et bah tu vas le faire. Tu vas le faire. Faut pas non plus qu'on oublie qu'il commence à faire sa présentation et sa disserte. On aura vraiment le temps de rien. C'est un truc de fou. Meurs de froid? Bah oui, parce que je lui ai demandé de prendre une douche froide. Qu'il est con. Mais Bordeaux! Bon, on va l'habiller chaudement parce que j'ai peur qu'il claque qu'il tue mon Sims pour une connerie. Alors? Mais tu vas pas rester tout bleu quand même? Jean-Pierre? Mais ils vont le tuer? C'est bon, il est redevenu une couleur normale. Oh. Je jure, j'aurais fait porter plainte contre les Sims. Je vous jure, je l'aurais fait! Bordeaux va faire crac-crac. Peut-être! Faudrait voir s'il y a quelqu'un de dispo pour lui. Faudrait qu'on commence à se poser la question sur avec qui on se marie. Hein. Allez, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui voudront peut-être Macy, on va l'inviter. Ah, bah elle est devenue vieille. Voyons. Non, on veut pas une vieille peau. Et je vais inviter Jean-Pierre. Léo JP. JP? La vache. Il y a tellement de monde là que je suis paumée. Ben Jean-Pierre. Ah, il est devenu tout vieux! Oh, et Antonio aussi. Oh là là! Moi, je dis, ce sera entre les deux et puis voilà. Alors, non, commence pas. T'emmerdes pas ton fils non plus, toi, hein? C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé se battre. Non. Alors, tu peux lui donner les clés. Ça, tu viendras quand tu veux. T'occuper de ton fils ou de ton ex-fiancé. On va t'enlacer. Voilà. Bon, drôle. Raconter une blague, voilà. Ne parle pas! Travaille! Quel frileux. Il a vu la mort. Mais c'est ça, c'est n'importe quoi. Oui, regarde. Bon, elle a pris du cul, hein. Elle a grossi, hein.
Oui? Ah, j'ai cru qu'ils allaient continuer comme ça indéfiniment. Complimenter. Partager des photos. Tu vas lui demander du coup si elle est célib ou pas, hein? Juste pour savoir. Et donner les clés, parce que tu l'as pas fait. Il est où Jean-Pierre? Je sais pas, Jean-Pierre, il était marqué qu'il était là, mais ça m'étonnerait qu'il soit monté. Mais l'autre, il a fini ses devoirs en douce là. Bon, va jouer un petit peu, t'as raison. Il est où JP? On a perdu Jean-Pierre. Elle est célib. Tu as appelé Jean-Pierre? Parce que je crois que j'ai coupé l'action, donc forcément. Ah, putain. Jean-Pierre. 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 J'ai coupé l'action qui vient pas. Ok. Discuter de la théorie des couleurs. Et en plus, elle bosse toujours pas, cette feignasse. Je vous jure. On dirait moi. Grosse et sans emploi. Il est là, JP. Oh, mon petit Jean-Pierre. Jean-Pierre a des manquaires. Toi, vous, t'as peur des vampires, on va dire ça. Allez. Tu vas pas te battre. Tu vas lui faire une petite blague sur les singes. Voilà, c'est très rigolo. Tu vas faire quoi, toi? T'es sûr? T'es sûr que t'as faim? Vas-y, mange. Après, tu bosses, hein. Tu bosses, hein. Tu basses. Ah, t'as le droit de faire un petit pipi. Promis. JP, il pue. Il n'est pas immunisé contre le froid. Mais non, mais Coquelicot, Quentin, c'est sa sœur. Elle va pas se marier avec sa sœur. Eh, on n'est pas dans Game of Thrones, on a dit, hein. Vuko est sur Tinder au lieu de faire ses devoirs. Non, même pas. T'as discuté? Discute avec Jean-Pierre. Invite à rester dormir. Oh là là, le coquin. Tu peux lui demander. Ah oui, il se passe en. Hey, ils étaient pas copains. Ah oui, il faudrait pas que je les fasse rompre d'ailleurs. Propose un rencard. Est-ce que j'avais une... fallait que j'aie plein de petits amis? Ils sont petits amis. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je les fasse rompre. Juste amis. Tourtereau. S'il y en a plein, je sais plus qui c'était. Hein. Ouh. Après, il y en a qui sont morts, hein, donc. Si ça peut aider. Intérêt réciproque. Petite amie. Genre, elle, tu vas rompre avec. Elle, tu vas rompre avec. Elle, tu vas rompre avec. Putain, tout ce qu'il y a. Je suis choquée. Amant. Ouh, j'ai failli faire un bon. Salut Xiresco et merci pour le follow. Attendez. Amant. Parce que bon, je pense que quand ils sont déjà en couple, après ça marche pas. Bon, tu vas inviter tout ça et tu vas faire à bouffer pour toute la tribu. Servir le dîner, les fish and chips. Oh oui, la chance. La chance aux chansons. Tu vas pas te laver les mains. T'as fait tes devoirs. Allez, tu vas améliorer, tu vas agrandir la soute. Voilà. Tout ça, c'est pour rompre. Hein. Si, il y a l'interaction, sinon tant pis. Comment ça se passe? Ah bah voilà. On va pouvoir rompre avec tout ça. Alors, c'est dans méchant, rompre. Voilà. Ça, c'est clair et net. Ça va être à la chaîne, hein. Hop, méchant, rompre. C'est truc horrible. Méchant, rompre. Voilà. Pendant ce temps-là, il discute avec Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre. Salut Wonder Louise, merci pour ton follow. Bienvenue. C'est Jean-Pierre.
Mario avec le avec Messi sont super mignons ensemble. Oh, on va voir. Pour l'instant, ils rompent. En plus, JP, il est vieux, tout fripé, va bien mourir. C'est qui le papy? Bah, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre Golden. Qui est un des nombreux amants de Pulco. Et là, il a convoqué pas mal de ses conquêtes, là. Regarde ça. Et il va rompre avec tout ça. Ça va être le rompage à la chaîne. Allez! Bon, tu rompes comment? Oh là! Allez hop! Il va rompre avec elle. Plus de choix, méchant. Rompre. Allez, chacune son tour. Oh, la musique, il fait toujours peur parce que c'est la même musique que quand il y a quelqu'un qui meurt. Je déteste cette musique. Surtout en ce moment. Allez, rompre. Et en reste celle-là qui n'a pas encore. Si, c'est bon. On est obligé d'y passer, hein. Voilà. Genre, on s'est pas vu depuis 15 ans, mais je vais quand même devoir rompre avec toi. Oh, JP. Oh, JP. Qu'est-ce qu'il a? Il est tristoun, oh là là. T'as rompu avec elle aussi? Allez! Ah, il fallait pas coucher à tout partout, hein. Et lui, il n'a pas encore fini d'installer. Bah, madame! J'ai cru que... Oh, pas mal! Pas mal, pas mal, la glissade, pas mal. Ah oui, pas mal. Alors, je pense que t'as bien rompu, là, avec 5 meufs. 5 meufs sur... Il en fallait combien? 8! Bon, c'est pas mal, quand même, là. Il se rend compte que avec le temps, eh ben, il n'était pas quelqu'un de bien. Tu vas prendre une douche méditative, là, ça va te faire du bien. Pendant que petit Pulco, citron, s'occupe. Elle arrête pas de glisser, là. Elle le fait bien. Et il s'occupe de sa fusée. Salut, au fait, c'est fini entre nous. Tu fais du fish and chips, c'est ça. Ils vont se disputer, il faut une salle d'attente. Attends, pourquoi je l'ai pas reconnu? Bah ouais, il est devenu vieux, ouais. C'est dommage. Quel mal alpha, Pulco. Pulco ou Bordeaux? Ce Bordeaux, c'est celui qui est rouge et Pulco, c'est celui qui est jaune. Comme parce que Pulco citron. Voilà. Se battre, supplier de pardonner, vas-y. On s'en fout, elle est moche, elle est vieille, mais. T'as rendu tout le monde triste, hein, Bordeaux. Bah maintenant, il est content. Et Jean-Pierre, il est parti. Madame, vous pouvez partir aussi, vous savez, hein, ça sert à rien là. Ça sert à rien. On vous parlera pas. Qu'est-ce qu'il a lui? Mais t'es tout seul là. À part, fais pas attention à eux là qui viennent écouter. T'es tout seul dans le jardin. T'avais l'autre connasse qui glissait, mais elle est partie. Il est spécial cet enfant quand même. Ça va pleurer à flots. Le rouge, my bad. Pas de soucis. Bordeaux, du coup. Ouais. Je suis désolée. Avec un gros partiel demain, je peux pas citer là, mais ça... Pas de soucis, Elisa. Bisous. Tu regarderas la rediff YouTube, c'est pas un souci. C'est vrai que c'est la période des examens, d'après ce que j'ai compris. Bon, je suis plus trop dans ce truc-là, donc bon courage, hein. Moi, j'ai terminé mes vidéos du calendrier, donc je suis tranquille là-dessus. Ça fait du bien. J'ai juste les miniatures à faire et les poster. Et puis c'est tout. Voilà, j'ai fini, moi, le calendrier. Mais c'est soit maintenant, soit début janvier, les partiels. Ah, d'accord. J'avoue que... Oh! Elle est devenue zinzin! Ah, c'est vrai que c'est elle qui avait une voix d'homme. Que vous aviez pas entendue, je me souviens. Ah, le poulet désarticulé. C'est pas possible. Il me tue. Bon ben, c'est quand tu veux, hein. Oui, t'es fatigué, mais il faut que tu finisses ton truc, là.
Allez, Pulco. Tu pourras aller après te coucher sans problème. Promis, juré, craché. Oh oui! Allez, va dormir. L'installation. Donc, mais va te coucher! Qu'est-ce qui glande? Voyons, il lui faut du temps. Améliorer. Installer un système de défense à canon à ions. Et c'est pas mal tout ça. Et on a augmenté notre physiologie ou pas? Ouais, on arrive au niveau 7, j'avais pas fait attention. Bon bah, ça se dé. C'est pas mal, c'est pas mal. On se débrouille plutôt bien. Pour l'instant, on va laisser dormir comme il faut. Il y en a qui a un sommeil agité ici parce que bah. Ah, c'est l'hiver. Et il vient de rompre avec plein de meufs, alors il a peur de ne plus jamais retremper de biscuits. Je vais enregistrer, comme ça au moins c'est fait. Bravo pour le gars André, j'adore, super boulot. Merci beaucoup Caro, coucou d'ailleurs. La course du poulet. À nous désaménager, oui, tout à fait. Tu pourrais nous faire visiter tes mondes. Comment ça, c'est-à-dire? Salut Almérine, comment ça va? C'est moi où on n'a pas le son des Sims. Parce que c'est en pause là. Oh punaise, il ronfle de ouf. Hein. Bah je sais pas, c'est à vous de me dire si vous l'entendez ou pas. Parce que moi je. Normalement, il y a du son. Hein. C'est que ça va pas être facile de faire autant de jolies maisons. Jolies, je sais pas. Mais autant de maisons, c'est sûr. Après, c'est chacun. Voit midi à sa porte hein, au niveau de la beauté ou pas. Donc voilà, il fait encore ses trucs. Tiens, tire à manger. Mince, j'ai oublié de ranger le fish and chips. Bah voilà, il a pourri. Oh, tout ce temps pour rien. Bordeaux, reviens faire à manger. Tu vas faire le petit déj, du pain perdu. Tant pis. Y a pas le son? Mais vous déconnez? Peut-être parce que je l'avais pas mis à fond, ça a causé. Là, vous entendez peut-être. J'ai mis à fond le son du bureau. Je vais languer de guerrier sur console pour prendre tes baraques et finir Newcastle. Ah bah oui, bah pas de soucis, ouais. C'est clair, c'est trop une bonne nouvelle, ça. Moi, ça m'a tué parce qu'il y a les gens. Et nous, et nous, et nous. Mais sérieux, mais. Moi aussi, je suis sur PC. J'attendais quelque chose pour. Une annonce pour les jeux PC, mais. C'est une super nouvelle pour ceux de console. En fait, moi, je voyais pas du tout ce qu'ils allaient nous annoncer. Et je m'attendais à rien. Finalement, on a rien. Mais c'est pas grave, putain. Mais soyez contents pour les autres, pour une fois. C'est incroyable, ça. Mais il y en a plein qui râlent. Je ne comprends pas. C'est vraiment un mode de pensée, là, d'égoïste. J'ai jamais vu ça, quoi. Dans la communauté, c'est une horreur. Allez, hop, les gnomes. Les gnomes au placard, ça. Où est-ce qu'on va le foutre? On va le mettre là. Sauf s'il n'y a pas de. Oh, quoi que c'est rouge, on va le foutre dans la chambre de Bordeaux. C'est juste histoire de pouvoir mettre des décorations. Hein. Et les enlever. On va installer son présentoir là, lui, pour faire sa. Pour bosser sa présentation. C'est pour ça que j'avais besoin de place. Va commencer à travailler. Allez, voilà. Autant en prendre de l'avance, hein. Il a quand même 4 cours, donc faut y aller. Voilà, on a du son. Ah, d'accord. Sur son nez, qu'ils sont tous égoïstes, c'est clair. Ça va être terrible pour eux de ne pas avoir de galerie et vraiment une bonne nouvelle pour eux. Mais c'est clair, enfin, c'est vrai que j'ai plusieurs personnes qui m'avaient dit, bah ouais, mais moi je suis sur console, donc ta maison, je peux pas la prendre. Bah ouais. Ouais, mais on n'y pouvait rien quoi. Nous, on est dépendant de ce que eux ils développent, donc forcément. Donc là, ça fait plus d'un an qu'ils bossaient dessus, et c'est une très très bonne nouvelle. En plus, ça sera compatible avec celle des joueurs PC, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Exactement. Génial, pourrait passer pour délaisser pour compte. Oui, complètement. Le son d'un coup, désolé, bah c'est à cause, vous savez, des musiques que je mets d'habitude sur Twitch. Que ça c'était trop fort pour vous, vous m'entendiez pas, donc j'avais vachement baissé et j'ai laissé ça, mais peut-être parce que moi j'avais pas mis à fond. Dites-moi si c'est trop fort aussi, hein. Là je suis à 100% dans mon casque, c'est un peu fort quand même pour moi. Je vais baisser.
Bon, c'est toujours aussi fort. J'aimerais bien la guérir pour tous, version PC grosse comme nous. Bah c'est le cas, hein, Quentin, ça va être le cas bientôt. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour les gens sur console, mais je pense qu'ils auraient dû préciser que la grosse annonce serait pour des gens sur console. Oui et non, parce que ça nous concerne dans un sens où ben, les joueurs console pourront prendre nos maisons comme on pourra prendre les leurs, quoi. Donc ça concerne un peu tout le monde. C'est sûr que ça concerne plus les gens de la console, mais tout le monde sera impacté quand même. Le papa Hélène me manque trop, une minute de silence. Le papa Hélène? Tu veux dire Florent? Il est mort il y a longtemps. Florent, il est mort il y a longtemps! Pour nous, ça va le son, d'accord. Lio-lio. Mais c'était pas son papa, hein? C'était son mari! Bon, toi, va faire ta life, là. Va manger, va pisser. Nous, on regarde petit Pulco qui travaille. Oui, il a presque fini, déjà. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Peaufiner, organiser. C'est qui celui-là? Très sexy. Imaginez, il aura déjà fait sa présentation. Après, je vais lui faire faire sa disserte. Et il est même. On est à peine 13h. C'est très bien. Il bosse bien, ce garçon. J'ai lu trop vite, my bad. Ils ont fils. Minecraft. Ah bon, bah, je sais pas. Ce flou de message. Marie! Tu as des fessées, hein, attention. Hein. Quelle... Elle continue, je vais avoir un truc. Je vois qu'elle. Ça doit être top sur console, il doit pas avoir de bugs. Ah, je sais pas, c'est vrai ça, s'il y a des bugs sur console ou pas. Toi, je t'ai dit d'aller faire ta vie, là. Va courir, va courir. Jogging énergisé. Casse-toi. Oh, regardez comme c'est joli. J'aime bien ces petits trucs là. Ah, maintenant c'est une madame. Un petit peu pixelisé. Oh, c'est trop mignon! J'aime bien quand sa réaction de. J'aime bien, c'est mignon. Allez, Chanex, oh, punaise. Je trouve que Pulco est beaucoup intelligent. Ah oui! Ah ben, il a passé son enfance à l'école, à travailler comme un ouf. Il avait des A, même au lycée, il a eu un A. Ou si, il y a des bugs. Ah mince! De te voir jouer bien. Et bien gérer les besoins des Sims, ça m'a vraiment aidé à mieux gérer les besoins des miens. Ah oui, c'est vrai! Mais c'est vrai que j'ai toujours été assez forte pour gérer les besoins des Sims. Ça, c'est toujours un truc que j'ai toujours réussi à faire. Alors que c'est pour ça, quand j'ai déjà vu des personnes qui jouaient avec des besoins pas possibles, j'ai déjà envie de m'arracher les cheveux. Surtout que là, dans les Sims, que les besoins, ils sont pas remplis, en fait, ça a vraiment un impact sur le jeu parce qu'on peut pas leur faire faire certaines choses, en fait. Donc je trouve que c'est très important de satisfaire leurs besoins. En même temps, c'est comme nous. Si on crève de faim, si on meurt de faim, on n'aura pas envie de je sais pas... voilà. Alors, elle a l'air fantastique. Qualité exceptionnelle, monsieur. Bien, mon chouchou. Tu vas t'entraîner maintenant. Entraîne-toi. Nous, on veut te regarder. Babasmo? Ça, je le prends en photo. Shusha! Ça y est, regardez, il commence à avoir de la confiance, là. Attendez, oui, c'est vrai qu'avec ma tête, vous voyez pas bien. Enfin. Basamo! Kravik. J'aime bien comment il hésite à parler. T'es beau, mon petit! Yekla! Il a du mal, je trouve, hein? Il est très timide, il est mignon! Pimbus Fonsal Yadraz. Nerimo Chiskri. Wabatumpuku Apsa.
C'est ça bug, même ça lag. Ah d'accord. J'ai mon pot-au-feu qui mijote sur la gazinière depuis 15 heures cet après-midi. Je sens un baume dans la maison, du coup... J'ai la dalle. C'est stressant, je trouve, les gens qui gèrent mal les besoins vidéo. Oh, totalement. Moi, ça m'a... Ça me sortait par les yeux et les oreilles et les trous de nez. Mais c'est bien, mon petit. Tu vas la mettre... dans l'inventaire. Tu vas jouer un petit peu au PC. À Sims Cufle. Et une fois que tu auras fini de jouer à Sims Cufle, tu feras ta disserte. Ah oui, c'est vrai, c'est... Sims Cufle, c'est Sim City. Il y a tout, quoi. Il y a les astéroïdes, il y a les tremblements de terre, il y a les ovnis, il y a tout. Eh, c'est pas comme ça qu'on joue à SimCity, mon petit. Crois-moi. Ah, mais il y a déjà ces trucs qui sont remontés de ouf. Bon, alors, tu vas faire université. Travaux universitaires, dissertation. Allez, dis-je. Allez. On va le faire encore bosser. Hein. Allez, Pulco. Attendez. Bah, j'en ai toujours qu'il soit dans le jaune ou rouge pour au final que ça me ralentissait, car comme tu viens de dire, bah ça bloque certaines actions. Ouais. Après, tu peux quand même attendre des fois qu'il soit dans le orange, hein. T'as pas besoin des joueurs. Quand ça craint, c'est vraiment le rouge. Donc quand ils vont avoir faim ou vont avoir envie de pisser ou qu'ils se lavent, là c'est plus chiant. C'est vrai que c'est pas cool d'avoir faim et fatigué à mort comme dans les Sims, c'est ça? J'ai du mal avec les Sims 2, 3, mais 4. Sur le... Mais pas sur la 4 sur le besoin. Ah oui? Je viens de voir que mon streamer préféré vient de migrer sur Twitch car YouTube ça lui fait des misères, tu n'es pas la seule. Tu lui demanderas alors si tu peux lui parler, enfin si tu peux lui poser la question de quel est son problème sur YouTube. Hop! T'es beau mais va. Alors, non, je sais ce qu'on va te faire faire. Enfin, je vais te faire faire. Tu peux aller faire ça. Allez, entraînement. Puis il y a de la musique et tout. Ça, lui, il fait sa dissert. L'autre, il travaille ses abdos. Après, il pourra plus, hein. Il va du tout vieux. Ça va me faire mal au cœur quand il va vieillir. Oh là là. Mais on pue le coup, il va commencer à trouver une copine, là. Ah ben. Il faudra absolument que tu deviennes ami avec les trois là. Tu vas discuter après avec les trois. Quand t'auras fini ta disserte. Arrête un Pulco, t'es pas fatigué. Là il est 18h30. Non mais tu te prends pour qui? Je me demande s'il n'y a pas un bug positif au niveau de jouer sur le PC parce que ça remonte méga vite le divertissement. Ça dépend, hein. Là c'est un super PC du futur, hein, ce truc là, donc. Il y a toujours plus de 5000 viewers. Ah mince! J'aurais le jeu canoë. Oh! Parce qu'il y a du spoil là-dedans! C'est qu'un truc de Pokémon, hein. Je sais pas pourquoi ça. D'où viendrait le spoil? Enfin bon, j'en sais rien, le truc Pokémon, moi je connais que Pokémon Go, donc. Ah oui, Resco, complètement! Twitch, je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant que YouTube. J'en faisais déjà avant, mais depuis que je peux plus en faire sur YouTube, bah, je viens sur Twitch à la place et vraiment, je kiffe, quoi. Plus quoi, force de manger du citron, sans doute, il a de la qualité au niveau. quand même pas. Mais là, il les connaît pas trop. Ouais, pas duré longtemps ton appel. Hein. Tire à manger, pisser. Oh là là, ça suit à grosse goutte ici. Allez, arrête, tu vas claquer. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah, il y a un truc à réparer. Tu peux essuyer. Et tu serviras le dîner. Boulette de viande à l'italienne. Mmh, rien que ça, ça me donne envie. On n'aura pas réussi à avoir les abdos avec Bordeaux, hein. Ah, son appel dure plus longtemps, là. C'est... Ah bah, au moment où je dis ça, bien sûr, il raccroche. Ok.
Je me demande si je devrais pas les inviter. Mais, excusez-moi. Tu vas réparer ça après. Compétence suite? La vache. Il a tellement de choses à faire, ce petit. Hop, on remet au frigal. Papa, arrête de me parler. Tu vas les inviter. Ah oh oui, bah si je peux essayer à chaque fois que je m'enverrai un quelqu'un à l'université d'intégrer la société secrète. Je veux bien essayer. Salut Linette, comment tu vas? Oula, attendez, ça. J'ai plus le chat dans le bon sens. Ça devient qui est la meilleure femme pour mon fils. Bonne âme, Quentin. Mais que... Ah oui, c'est vrai, j'allais dire qu'est-ce qu'elle fout là, elle. C'est... Est-ce qu'elle a les clés, cette... Ouais. Ah là, elles arrivent. C'est vrai, il faut aussi que je fasse l'offrande et tout le bordel, là. Faire connaissance. Oh, les sourcils bleus. Elle ressemble à sa sœur. Alors par contre, toi, t'es absolument pas sexe, hein. Eh ben, tu nettoies, Bordeaux. Allez, va jeter. Crasseuse. Oh, super. Oh, les traits, ici. Et je... Pendant qu'il est en train de rassurer, t'as Bordeaux qui passe derrière et que je l'entends faire. Ça m'a complètement débile. Vas-y, illumine la journée. Comment s'est passée la journée? Regardez comment ça monte. Salut la vieille. Oh, toi, tu as crevé, tu vas nous laisser la place. Hein? À la société secrète. Elle, c'est des Sista. Sista, Sista! Tu peux dire bonjour à ta belle-sœur, qu'on savait pas qu'on en avait une. Pas ta belle-sœur. Bref, oui. Complimenté. Soul, soul! Pardon. Ouais, sympa, hein. On va complimenter la tenue, même si elle est habillée comme un poil de flux, hein. Conversation profonde. Oh, il commence à être fatigué. Oh, qu'est-ce que... Se renseigner sur la carrière. Voilà, mais... Allez, Pulco, là! Qu'est-ce que tu fous? Je t'ai demandé de bouger tes fesses. Vas-y, va parler. Renseigne-toi. Oh là, les seins, elle a les seins qui tombent, c'est même plus sur le... sur le ventre, c'est sur les genoux qui sont... Truc horrible. Sophie, sans emploi. Bah voyons. Tu t'en vas, toi. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas aller dormir sur le transat, Coco? Allez, hop, tu vas au lit, tu l'as bien mérité. Minuit 15. Le début de la nuit, quoi. Et Bordeaux, centre-ville, t'as plus en visite, j'ai vu. Ah oui, t'as vu? On a été un petit peu se balader. Bah, mettez-vous d'accord pour la ville quand je vais regarder aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui c'est quoi? Mince, c'est ça que je vais faire, c'est ça. Ah bah d'accord, ouais. Elles vont discuter. Attendez. Mais j'entends que... Ah, c'est les... Bah c'est les gogoles, là, les sœurs. Elles sont en train de... Hein? Bon. Voilà. Tout ça pour dire que on a essayé de sympathiser avec les gens de la société secrète. La Secret Society. C'est pas Secret Story, c'est Secret Society. Ça va être sympa de pouvoir jouer sur la télé. What? Je me souviens pas qu'elle ressemblait à ce point, mais si... Bah, tu vois. Laval, ça pourrait être rigolo. Ah, Laval. La vie. Ouais, mais j'ai déjà été à Laval en plus. Oh
Oh, les tapis qu'on peut choper. Pas celui-là. Celui-là, oui. Pourquoi pas? Mais celui-là, on peut pas non plus. Mais ça me saoule maintenant, les tapis qu'on peut choper. Ah, la voisin zin! va venir vous bouffer le 24 au soir. Tous les enfants qui n'auront pas été gentils iront se faire manger par les voisins. Douche ok, machine à laver étendue, rosti sur le feu ok, tout ça sur un fond de pulco citronnade. Le châtel jardin de mon papy avec son prunier. L'élimination de... Ah là là, ça y est, elle est en train de partir en vrille. C'est Marie. Bon, oui, cassez-vous. Ouais, ils squattent, la société, elle squatte, hein. Bon, si elles se sentent bien à la maison, on peut dire que Pulco sera peut-être intégré. Bon, alors, c'est pas des amis. Connaissance, connaissance, connaissance tante. Bon, on va essayer de rediscuter avec elle et tout. Et en plus, là, il faudrait qu'il aille à l'intélé, le groupe machin Sims, là, je sais plus quoi. Là, il a cours à 9h30 et à 15h. Et on va aller au club intelligentissime à 15h, 19h. Donc ce sera après ses cours. Après son deuxième cours, il faudra qu'on y aille. Mais oh, c'est la vie. Les rusty. Je crois que j'en ai acheté, mais j'en ai plus là, mais j'en avais. C'était une ancienne amie qui m'avait fait découvrir. Je connaissais pas du tout. I didn't know. Je suis une bille en géographie. C'est vers l'ouest de la France, Laval. Ou bah, dans la campagne. C'est très vert là-bas. Il y a plus de vaches que d'habitants. Pour te donner une idée un peu du bordel. Allez, va faire pipi. Priorité bien sûr à notre pulco national. Ah bah ça va, t'as dormi. Vas-y, lève-toi et marche. Tu vas te laver. C'est que flou, fina flou, fina filou, fiche la fou. Non, toi aussi tu vas te laver. Et hop. Quoi? Oh, Roua est mort. On sait même pas qu'est-ce qu'on s'en fout. Je crois que c'était le mec qui avait une tache mou un peu chelou. Hey, Pulcote. Oh, c'est bientôt anniversaire de Bordeaux. Il m'a pété la douche. Tu casses ses pieds. Hey, va mettre en ligne une vidéo virale au point où on en est. De toute façon, t'as bientôt fini ta carrière. Ah! 9h30, lui, il a cours. Hein. Oui, il est content. Il a gagné 65 abonnés avec une vidéo virale. C'est bien, mon petit. Va faire ton petit pipi. Regardez-moi comme il est ouvert maintenant. Notre petit. Il est content. Et on va lui faire faire un peu de sport. Allez. En plus, il fait pipi. Hein, vraiment pipi. Hein. Ah non, mais on s'en fout du lavage de main. Jusqu'à 9h15. Oh, il pense à sa maman! Stop! Une voix zinzin. Allez, c'est parti! Go! Go, 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 go! À l'école! La fête est plus folle! C'est quoi ces boucles d'oreilles, mec? T'es parti en pyjama ou... Allez, tu vas écouter activement. Toi, tu vas te morfondre. Et travailler dur plutôt. La 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 la! Oh là là, attendez, ça parle de bouffe là-bas? Oh là là, attention pour les émotes, hein, désolé, Sienne.
Ma pauvre. Oublie pas les... Non mais oui, ça a 15h l'événement. Donc il pourra aller que... Comme il a cours à 15h aussi, il pourra aller qu'après son deuxième cours. Ouais, les factures. 4000. Bon. On va enlever les décorations. Voilà, il est revenu. Qu'est-ce qu'on va te faire faire, toi, du coup? Est-ce qu'on te fait recommencer tes devoirs? Rien d'irréparable. Cours dans 2 jours. Ouais, comme ça, je prends de l'avance. Hop! Rien d'irréparable. Ça, pendant que t'as tes cours tout frais dans ta tête, tu travailles. T'es bien, mon petit. Alors, je sais plus en quelle tenue tu es, là, mon chou. Changer de tenue. Oh my god, mais il est... Non, il était en tenue de sport. Bah, je préfère ça. J'ai cru qu'il a été en pyjama. Genre, il va en pyjama. Là là. Moi, je mange de la laine. Ça y est, ça parle de bouffe sur le chat, je vous raconte pas. Ça parle de qui? Je veux un burger, de rösti, de lasagne. C'est normal d'aller en cours en pyjama. Oui, pas pour tout le monde. Alors, t'as le droit d'écouter la musique, mais travaille. Là, il est midi, il a cours à 15h. Il a le temps. Il a le temps. 15h, 16h25. Encore un mort? Ah non. Ah, Jonathan! Ah oui, bah Jonathan, on va lui parler. Je sais pas encore, on donnait ça. Si je n'avais pas venu prendre le métro, je serais allé en pyjama. Mais oui, bien sûr! Mais t'as le droit d'y aller même dans le métro en pyjama. Par contre, ici, on dit rejeti. Ah! Tu, on est ch'ti et rejeti chez toi. Laisse-moi l'émoji diable. Je crois que c'est 3 max au niveau des emojis. Non, c'est sale et ça pue. Qu'est-ce qui est salé qui pue? Ah voilà, il a fini de faire ses trucs. Bah écoute mon petit, t'es en bonne forme. Il est quoi? Il est 14h. Ouais. Non. 14h. Tu vas faire un petit tabouret. Quand t'auras pas le temps de finir. Après tu viendras ici. Je surveille. Hein. Allez hop, go. Non, je prévois un quart d'heure pour qu'il traverse la maison parce que. Est-ce qu'on peut te changer? Tu vas te changer. Tu vas t'habiller, regarde, tu vas te mettre comme ça. Ah, t'es tout beau, regarde. Ah, beau gosse. Allez. Bonjour, monsieur le président. Écoutez activement. Oh, bichon. Oh, t'es tristoun, hein. Allez, va. Va te distraire. Ah bah il va aller sur le PC. Je pense que... Ah oui c'est vrai j'ai oublié la douche. J'aurais dû le faire bosser la douche. Oh c'est pas grave. Je pense que le PC il a un truc de divertissement très élevé dans le jeu. Faut qu'ils y aillent et pas aller regarder la télé. Le métro ça sale et ça pue. Pff, ça dépend. Avec les clodos. Mais t'as déjà vu... à chaque fois que tu prends le métro t'as des clodos toi. Pourquoi en pyjama et pas en pantoufle? Ben oui! Supermarché. Oh là là! Marie, elle est déjà vieille avant de l'être. Non, pas université, qu'est-ce que je fais? Lui, c'est réseau social. Consulter réseaux sociaux. Réseau social. Mettre à jour son statut. Après, t'iras te laver. Non, pipi, machin. Ah, il est revenu! Bon, bah finalement, on va pouvoir aller à la réunion des intelligentissimes. Là. Là. Voilà, jusqu'à 19h. Non, ah! Le hasard, comme par hasard! Ok, nous voilà au... Alors, bombe émotionnelle pour Bordeaux. Bon, comme il est sur la fin de sa vie, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien. Enfin, on s'en fiche, quoi. Vu que maintenant on est plus intéressé à notre petit pulco. Donc,
On y va avec ces trois demoiselles. Histoire de faire encore connaissance. Pour qu'on soit un minimum amis. Un peu, beaucoup, passionnément. Peut-être après aurons-nous la société secrète. The Secret Society. Partager des photos. Alors ? Elle a l'air énervée, la vieille. Hein. Vas-y, appelle-les. Ah, bah, elles sont en bande, je suis bête, moi. Alors, est-ce qu'il y a de la belle meuf à draguer ? Genre, elle, là, qui va dans la bibliothèque, là. Est-ce qu'elle est mignonne ? Elle est jeune adulte. On va la regarder tout de suite. Elle n'a pas de conjoint, elle est 2 sur 24. Calamar. De son prénom Calamar. Calamar Turei. Magnifique. Elle. Ouais, ça se voit qu'elle était adulte avec sa coupe de cheveux. Elle pouvait pas être jeune. Non, mais bon, on regarde comme ça. On sait pas. On se dit... Hein. Alors, le groupe... Je sais, hein, je devrais travailler hein, avec les intelligentissimes, mais j'en profite quand même pour discuter avec... tu vas t'a... En plus, lui qui veut pas discuter... Ouais, bibliothécaire. Ils sont que trois. Ils sont pas beaucoup hein, pour venir travailler. Illumine la journée. De l'amicalité. Discuter d'idées de projet. Ouais, vas-y, discute. Faudrait qu'on les connaisse. Ah, demander de rejoindre son foyer. Ah bah attendez, parce que moi, une fois qu'ils sont amis, on va pas se casser les pieds. Hein. Amis ! Oh, bah c'est bien. Elle a encore connaissance. Et elle, connaissance. Donc on va parler un peu plus avec elle et avec elle. Comment s'est passée la journée ? Faire connaissance. Et éliminer la journée. L'ordi et les jeux vidéo, c'est le mieux pour le divertissement. Un petit clin d'œil des Sims aux gamers. C'est pas fou. Déjà qu'il s'appelle Pulko et ça il fait. Et s'il se fait la Calama, ça commence à être original niveau prénom. C'est ça. Faire connaissance. Allez, faut discuter. Bon, je sais, il va pas vraiment. Hein, il parle pas beaucoup, il travaille pas beaucoup, je veux dire. Elle est là. Elle est solitaire. Très bien. Elle est un peu chaude à choper, elle. Hein. Complimentée. Allez. Complimenter la tenue. Se vanter de ses notes, même si t'en as pas eu. Ah, c'est une histoire dramatique. Qui êtes-vous, monsieur? Oh, pas mal. Jacques Guérin. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu grand monde de sympa, hein, pour déconner, pour faire des hommes fins. Oh là là. Bon, il est 20h, donc la truc, elle est passée, la réunion, mais... Débattre la stratégie de jeu. Connaissance, toujours, hein. Oh là là, ça stresse, hein. Demander de passer du temps. Ok, je peux rester. L'autre, elle est où? Tati, t'es où? Tati! Ah oh, c'est bon. Et merci à Danny Dragonette, cet abonné sur YouTube. Merci beaucoup. Bon bah, on va parler avec elle, hein. Qu'il y a quelqu'un qui est là. On va pas demander si c'était une sirène, hein. On va pas commencer à partir. Elle est chiante. Bon, on a refait connaissance quand même avec d'autres personnes. Pour l'instant, il y a que Calamar qui était intéressante, qui l'a même pas dit bonjour.
Mais Calamar, elle est même pas dans ses connaissances. Fais gaffe à toi si t'es bien ou pas. En tout cas, elle a l'air de le kiffer, genre, oh, un petit jeune! Oh, qu'elle est mignon! Mais elle est pas mal, hein! Elle est pas mal. Bon, elle a un goût douteux sur ses fringues, mais elle est pas trop dégueulasse. Oui, elle a un sacré, elle a vraiment un goût douteux, très très goût douteux sur ses fringues. C'était tout seul? Ah, et encore elle qui est là. Non, 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 appelez la bande. Vas-y, appelle la bande. Il y a quelqu'un qui est encore là? Faire une imitation. Drôle. Non, on va faire de l'amical. Conversation profonde, ça va peut-être débloquer. Imprévisible. Oh, bah elle a tout pour plaire, celle-ci. Elle a tout pour plaire. Imprévisible, solitaire. Mais ce soli. Oh, ils sont solitaires tous les deux. Mais c'est pas magnifique. Connaissance encore, hein. Punaise, c'est pas possible. Complimenté. Non, tira pisser après, Pulco. Tiens, 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 j'ai un petit chat qui se réveille. Blague. Ami! Oh, oh! Ce fut complicado. Allez, tu vas aller pisser, stop. Et puis après, on va y aller. Bon, on n'aura pas beaucoup travaillé. Mais on aura travaillé sur autre chose. Il reste plus que la L là. Et puis après, on ira faire une offrande. Ça, il a faim. Il a faim, le petit malotru. Alors, on va rentrer. Allez. Tout seul. Non, on va pas avec elle, on s'en fout. On va tout seul, on va la rentrer à la maison. Il y a rien à se mettre sous la dent. Non. Bah après, on a jeté un œil comme ça, voilà. À voir après s'il n'y a pas mieux, hein. Oh, bichon. C'est vrai qu'il y a toujours la douche à réparer. Tu vas te donner des paroles d'encouragement. Arrête avec le PC, là. Pardon. T'as cours à quelle heure, toi, demain? À 8 heures! On va d'abord bosser, hein. Tu manges et après tu iras réparer la douche. Parce qu'on en va avoir besoin et après tu iras te. D'accord, non, c'est mon chat qui est en train de faire ses griffes, sauf que. Ils ont tellement usé le bordel que. Ça a fait un bruit bizarre en fait. Voilà. Il a réparé comme ça la douche, il l'a réparé. Voilà, à 1h du matin, il est au lit. Ça va, on va te faire dormir jusqu'à 6h30. 7h30. Non! Va te coucher. Ah ouais, lui, regardez, il a dormi. Fais ta vie. Fais autre chose. Tu vas dans la douche qui va pas, mon petit. Tu vas. Adieu, Bordeaux, on t'aimait. D'ailleurs, j'ai pas regardé pour la cam, si ça va. Parce qu'en fait, mon écran ce matin, il s'allumait plus, donc j'ai tout enlevé. J'ai pas regardé si j'avais bien remis la cam. Oui, ça va. Tout va bien. Don't worry, be happy. Pourquoi il drague les vieilles? Non, il y avait pas. Non, ah, peut-être que l'autre était adulte, j'ai pas fait attention. Non mais il peut pas. Non, s'il drague la vieille, c'est pas la drague, c'est pour approcher la truc. Le plat qu'il faut faire en offrande, est-ce qu'il faut que ce soit un truc de bonne qualité? Parce que dans ce cas-là, c'est Bordeaux qui va le faire. Bon, allez, tu es chiant. Tu peux. Le mec, il reste 10 ans sous la douche pour rien, quoi. Tu vas cuisiner. Faut cuisiner quoi? Vous avez pas dit qu'il fallait faire des brownies ou je sais pas quoi? J'ai cru lire, c'est des brownies d'excellente qualité. Dans ce cas, c'est de la pâtisserie. Bon, il va en faire une fournée, puis on verra. On verra bien ce que ça donne. Les douches sont buggées. Ouais, les douches baignoires. Les trucs sucrés. Juste des trucs sucrés, en fait. Ouais, va faire ton petit pipi. Ouais, un petit lavage de main. À qui la compétence pâtisserie?
Vas-y, fais-moi des trucs excellents là que Bordeaux il puisse Pulco il puisse mettre en offrande. Merci Bordeaux, merci Bordeaux. Tu m'en feras toujours de la merde. Et lui là, retourne te coucher. Tu. Bah il a déjà tout dormi? Bah c'est une foutue blague. Bah. Oh. Oh. Va te laver. Il est 5 h du matin. Elle va pleurer. Oh là là, Bordeaux, ça va plus, hein. T'es relou, hein. Plus tu vieillis, plus t'es relou. Non, après, je vais renvoyer au lit. Ah, ça, c'est dommage. La tentation est trop forte. Oh, Marie! Franchement. Bordeaux, allumez le feu, allumez le feu. Qu'est-ce que tu as à faire? Mais toi, mais non, mais. Je t'avais demandé de prendre ta douche là-haut! Oh! Il a perdu tellement de temps, j'ai pas fait attention qu'il était pas dans la bonne douche. Vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Mais tu m'as fait perdre du temps! Idiot! Il est quelle heure? 7 h 30. Oh là, tu te fous au moins une demi-heure pour descendre un étage, donc tu vas y aller tout de suite. Arrête de faire le kéké là, vas-y. Oh bah il se prend pour Michael Jackson en plus. T'es chiant! Non. Tu m'énerves là, à pleurer les gens dont tu te souviens pas. Ouais, va. Hop là, hop, écoutez activement. Va bosser! Oh, je vous jure, hein, ça n'arrête plus. Au feu, jamais dans qui brûle. Ouais, c'est ça. Bordeaux en pleine crise de la quarantaine. Oh, il arrive à près de 60, hein, maintenant. Aïe, 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 aïe. Il va mourir. Il va vieillir, va devenir un vieux con. Il va devenir un vieux con. Ok! Toi, t'es revenu. Déjà, tu vas me réparer ça. Et c'est court, je crois que c'est à 13 h 30. Ok. Il a cours dans 2 jours à 8 heures. Sachant que ça, il a fait. Donc il fera ça, aimant et mécanique. Voilà, non. Non, 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 tu vas manger ça. Non, non plus. Non, je clique pas où il faut. Tu vas manger ça. Tu vas aller au pipi. Dépêche. C'est pas grave, il fera un autre plat. Hein. Qualité excellente. J'ai pas vu ce qu'elle disait. Bon, tant pis. 13 h. Ah, il s'est pas lavé les mains. Bravo! C'est très bien. Je suis contente. Pépé Bordeaux, c'est ça. Bon, ouais, t'as pas fini. Ah, ouais, il est chiant d'avoir écouté de la musique. C'est quoi cette musique? Ça a l'air d'être nul. 13 h 30, hein, donc 13 h, c'est bon. Il reste 1 heure là. Et regardez, ça augmente pas. La station chanteur-compositeur, d'accord. Bon, t'arrêtes.
T'as pas été aux toilettes? Mais c'est pas vrai! Mais regarde, ça augmente pas! 50%. Allez hop, arrête! Et après tu viens. Non, va pas laver tes mains. Il a pété les toilettes. C'est quoi cette famille de bras cassés? FCC pour les unités avec Emma. D'accord. D'accord. Allez hop, écoutez attentivement. Activement. Activement. Si seulement j'étais sûre que ça faisait pas baisser sa note de discuter avec les étudiants, parce que je veux quand même qu'il ait des bonnes notes, donc ben il discute pas trop avec les gens, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc là, il va rentrer. Mais t'es où? Ah oui, c'est vrai qu'il est là, mais il est invisible en fait. Alors, ça marche pas pour voir leur vision, mais. On l'entend alors qu'il n'y a personne, tout va bien. Après, on se dira qu'il y a des fantômes existent. Hein. Non, c'est juste des Sims invisibles. Ils sont bien là, mais ils sont pas là. Ils vont revenir en même temps. Oui! Rendez ses devoirs et beaucoup d'assurance, accumuler maximum de connaissances. C'est très bien. Tu vas pouvoir, du coup, faire la suite de ce que tu as. Commencer, lui il revient. Oh là là! Il a eu une petite augmentation de 10 simflouz, on est ravis pour lui. Maintenant tu me saoules, va te. Voilà. Ah, il est fatigué! Bah oui, mais il fallait pas rester debout toute la nuit, hein, Coco. Il va y flotter sur le dos. N'importe quoi. Tu vas t'asseoir et tu vas te faire une sieste. T'as fini toi? Bah rien, t'as des toilettes à réparer. Après tu manges. Voilà. En un coup de cuillère à peau, il a fini de réparer. Fantastique ce garçon. Fantastique. Fais voir. Pour tes cours, parce que quand même c'est important. Terminé. Pas commencé. Cours de 23 heures, robotique analogique dans un monde numérique. Eh bien, c'est ce que tu vas faire, mon petit. Voilà. On perd pas le nord, nous on n'attend pas, hein, on doit foncer. Je pense qu'on va fêter l'anniversaire de Bordeaux et après on s'arrêtera là. Ce qui est déjà bien. Sachant que le petit. Hey! Il vieillit bientôt. Non, fais pas la vaisselle! C'est bon, t'as ton père pour ça. Voilà. Pendant que papa il ronfle à côté de toi. Magnifique. Plus il fait une de ses têtes. Oh, il est quand même tellement beau. Je suis tristesse parce que il va être moche, quoi. Enfin, il va vieillir, il va devenir un vieux con. Pourquoi il y a cette musique? Ouais, ça va être Twitch, il va me bloquer la musique. Hein. Et bientôt, je vais avoir aussi une demande. Sur YouTube, je pourrais pas monétiser. Bon, je les monétiserai pas moi, mais. Bref. Peut-être en accéléré, ça passera pas. Le copyright, il passera. Avoir son diplôme, ça fait démarrer la carrière à quel niveau? J'en sais rien du tout. Ah! Oh Quentin, il est mort! Aurait pu embêter Quentin. Ouais, il est mort bien après Pepper, hein. Vache. Oh punaise, j'ai eu peur. Merci Captain pour le host, merci beaucoup. Tu peux juste changer la station parce que. Voilà. Tu seras mignon. Ah non, on va pas te laver les mains, tu vas te laver tout là. On dirait un zombie. Non, Quentin, ouais, c'est ça.
Bah oui, toi t'es toujours là, Quentin, mais le Quentin du jeu, il est parti. Il est parti rejoindre son ancienne collègue qui lui a mené la vie dure, qui l'a harcelé au boulot. Il était content, hein, elle était morte, il était content, mais là, voilà. Mais ça avance pas son taf là? Si, 75%, parce que là. C'est bon ou pas là? Jour du semestre restant. Oh là 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 là. Bon, on va le laisser kiffer un peu. La vibe. Ah bah. Ok. Tu peux jeter ça aussi. Hein. Alors, il reste que ces cours-là à faire. Il a faim. On va le laisser manger. Qu'est-ce qu'il y a de bon au frigal? Oh, des bonnes boulettes de viande à l'italienne. Ça va me donner envie de manger ça. Alors que j'en ai pas de boulettes. Mais ça va me donner envie. C'est vrai que ça commence à être rasoir ces histoires de copyright. Hier, je voulais visionner une rediff de live parce que je n'étais pas là sur le direct. Impossible à regarder. Il n'y a pas le son sur les trois quarts de la rediff. Ah ouais. Ouais. C'est ça. J'entendrai plus Quentin! Oh Bah si tu l'entendras, tu vois, je dirai rien que pour toi. Il se fait quelle heure? L'autre, il est parti dormir. Tu pourras aussi aller aux toilettes. Un bon petit pipi. Ah, tu pourras jeter la nourriture gâtée. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, non. Tu vas me nettoyer tout. Puis tout à l'heure, t'as envie de tout nettoyer, tu nettoies. Les soucis de la vaisselle. Pour te... Voilà, moi je te punis, je coupe la musique. Allez mon beau. Bah bravo! Par contre, il a quand même laissé deux assiettes. Hein? On dira rien. On n'a rien vu. Et non, tu vas pas dormir sur le canapé, non. Tu vas aller dormir dans ton lit. Ouais, on m'appelle. Mais je ne réponds pas. C'est pas un numéro que je connais, donc je réponds pas. Mes petits loulous, mes petits minous, ils ont faim. Ils sont réveillés, les monstres. Pas obligatoire. Oh! Tu veux pas que je t'appelle Quentin? Pourtant, c'est ton prénom. Alors, on va enregistrer. Parce qu'on a avancé. Je regarde. Ouais. 1h14. C'est bien. On va continuer. Et après l'anniversaire de Bordeaux, on s'arrêtera là. J'ai un petit loulou qui passe, c'est pour ça. Pas obligatoire, mais tellement tentant. C'est ça! Alors, t'as très bien résumé, maman Grenouille. Lui, il va être réveillé en 2-2. Bah ben voilà. C'est bien, tu tires à faire à manger? On aura un truc dans le coffre. Dans le coffre. Dans l'inventaire. Va manger tes brownies. Ah, vous avez vu? Il fait tout brumeux. Bon, c'est la nuit aussi en même temps. Qu'est-ce que tu fais, Titi? Il fait le débile avec le rideau. Eh? Les deux monstres qui se baladent dans tous les sens. Tout va bien. Il regarde la télé? Ouais. Alors, t'as fini, tu fais la vaisselle. Merveilleux. Alors, sans me foutre le feu. Refais les brownies. Je vais en avoir besoin pour ton fils. Hein. Alors, fais pas le con. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Non, mais pas la table, on s'en fout. Mange un truc. Et va à la douche. À quelle heure il a cours? À 9h30.
Et à 15h. Très bien. Mais attendez, s'il reste... Dernier jour de cours! Mais ça veut dire que le jeudi, j'ai cours quand même ou pas? Parce que moi, je comprends pas. Parce qu'il faut qu'il fasse la disserte. Et la présentation. Et la disserte, il l'a pas faite... Il l'a pas modifiée. Et ça craint. Modifié, qualité médiocre. Donc oui, il faut qu'il la fasse. T'as fini déjà les machins? Normal. Bon, écoute, tu vas les prendre et on verra bien. Et toi, tu vas manger et tu vas pisser. Oh là 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 là. Trop de stress. Bonne humeur, hein? Allez. Ta cour. Oh là là, l'anniversaire de Bordeaux. Faut que tu fasses ta disserte, là, petit. Faut que tu fasses ta disserte. Non! Bordeaux, ne viens pas! Oh! Va pisser! Va poser tes fesses. Ah non, mais Ellie, chiant quand même! L'examen... Oh là 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 là! Ce stress! Non! Mais c'est pas vrai! Mais quel casse-burne! Mais va courir! Oh, il a pas le temps. Crie tout son cœur, son prénom. Nickel, 9h20. Ah! Là là, faut que t'ailles en cours, mon petit. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Viens pas, ça sert à rien, y'a personne. Hop. Donc, bien sûr, tricher l'examen, dormir, quitter plus tôt. On va y aller. Normal. Ok, donc. Là. À 11h, il revient. Puis la cour à 15h. Donc il va rentrer. Il va finir sa disserte. Ah mais et lui il est pas parti bosser. Parce que sinon tu vas lui parler à elle là. Donner des astuces de réparation, on s'en fout. Faire connaissance. Et peut-être vas-tu la draguer un petit peu pour histoire de raviver la flamme, le feu, l'incendie qu'il y avait entre vous. Alors que mon autre petit pulco, potasse pour l'examen. Et il est content parce qu'il a pris une bonne douche. Ah mince! Faut qu'on paye les factures, nous. Alors? Ah bon. Ça a pas marché? T'as pas réussi à la draguer? Ah si! Oh, mais quelle est drague. Il l'a plantée devant l'hôtel et elle, dès qu'il fait un mouvement vers elle, elle en peut plus, elle est d'accord. Franchement, tu n'as aucune volonté, mais ici je suis triste et tu me déçois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu vas refaire ta disserte, travaux universitaires. Ah oui, il faut payer. Faut payer les factures. C'est payé. C'est bon, on peut. Modifier. Voilà, normal. Oui, ben, on va la modifier en mieux. Hein. Allez, pêche-toi. Après, il la rend. Tout de suite, quand il a fini, il la rend. Il va faire sa truc là, son examen, sa présentation. Quoi? Mais j'ai compris que vous aviez faim. C'est bon, laissez-moi 2 minutes, non? Mes chats. Alors, il est satisfait. Satisfaisant. Satisfaisant. Dissertation. Qualité exceptionnelle. On va la remettre. Arrête de faire le kéké. Tu remets ta disserte. Il a cours à quelle heure? Je sais plus. Dans 4 heures, à 15 heures. Il a fait ses devoirs. Il va faire les devoirs d'expérience avec l'énergie. Hey, go! Puis il faut qu'il fasse sa présentation. C'est justement ce truc-là.
Mais c'est demain, c'est-à-dire je peux encore la faire demain, la présentation. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Je sais jamais, moi je comprends pas. C'est avant 16h, je crois. Donc soit il rentre. Attendez, il a cours dans. Non. Donc je pourrais pas la faire. Bon, c'est bon, tu t'es remis avec ou pas? Non, commence pas à emmerder ton fils, je t'ai déjà dit. Il a cours à 15h. Oh là, ça me stresse, je suis à fond, hein? 15h. T'as fait 50%. Ouais, mais arrête. Tu sais quoi? Ça dure combien de temps? La présentation. Parce que je crois que je m'étais trompée avec Tybalt et j'avais pas prévu que ce soit long. Et du coup, j'avais loupé le coche. Là, il a 1 heure devant lui, même pas 1 heure, donc c'est mort. C'est mort, je ferai ça le lendemain. Tant pis, tu vas continuer tes cours, tes devoirs. Tu mangeras un petit raisin après. J'en peux plus. Mais de où t'es enragé, toi? Mais tu vas te calmer? Il va claquer là! Eh, on aura raté le challenge si tu claques avant, hein! Idiot! Bon, Tyrion, commence pas à faire le con! Les chats. Vas-y, vas-y, mange ton truc et tu viens là. Tant pis. Hein. Ah oui, ouais, bah, on n'a pas le temps d'épicer. Voilà. Oh, c'est tout juste! C'est tout juste, Auguste! Oh là 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 là! Bon, il aura une envie de pisser féroce, mais. Tu te calmes! C'est bon, il va se calmer. C'est bon, il est enjôleur à la place. Effondrement émotionnel. Oh, bah... oh! Il va pas mourir là! C'est pas possible. Non. C'est 2 heures! Ouais. Il va pas mourir là! Ah, you both a snurb. Ah, c'est bon. J'ai eu très peur. Tu sais pas, moi, fais ta vie! T'es chiant! Oh, tu vas faire ton gâtal! Je suis tellement à fond avec Pulco que j'ai oublié l'anniversaire, quoi. Allez, faire ton gâteau au chocolat. Oui, est-ce que tu cuisines? Alors, je t'autorise à te laver les mains. Ok, lui il a fini. Je vous jure, c'est compliqué. Donc il faut qu'il fasse sa présentation. Il a fait pipi. Ah, il y va! Mais pourquoi tu vas aussi loin? Non, faut pas que tu manges ça! J'en peux plus. Va regarder la télé. Avec l'anniversaire de ton père. Oh là là. Bravo! Allez, anniversaire. Bougie. Tu vas me nettoyer ça et puis tu vas appeler les gens pour la fête. On va y arriver. 2 heures, mon Dieu. Voilà, petite fête d'anniversaire. On va fêter Bordeaux. On va inviter. Tac tac. Waouh, c'est tous les beaux frères, belles-sœurs. Jean-Pierre. Elle. Forcément la famille.
C'est bien déjà tout ça. Et on va faire ça à la maison, évidemment. Et hop là! Oh, qu'il est beau le lavabo! Tu peux aussi servir le dîner. Des haricots saucisses, comme ça sera la fête du prout. Salut! C'est un peu le fouillis aujourd'hui, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. RIP la de Bordeaux, c'est ça. C'est carrément ça. Oh, Coquelicette! Mais... Coquelico n'est pas encore vieille. Bon, ok, elle a eu des enfants. Elle a eu un enfant. Mais elle est née avant, donc elle devrait limite arriver. Ouh, on a vraiment pas le temps de faire la présentation. Moi, je comprends pas leur mode de fonctionnement. Mais on a une bonne nouvelle quand même. On a A-, A+, B+, A+. C'est là où on a eu la plus mauvaise note, qui est B+, donc ça va, il y a pire. C'est là où on n'a pas fait la présentation à temps. Bah ouais, mais en fait, c'est tellement mal foutu, j'ai du mal encore à piger comment ça fonctionne, mais bon. Une moyenne de A. On est plutôt bien. Bien sûr, on le réinscrit, hein, bien sûr. On va refaire 4 cours. 8 cours, donc c'est bien, on va vite y arriver. On va faire un tour domicile. Payer avec les fonds du foyer. Évidemment. Et on doit recommencer tout le merdier. Et il a cours dans 17 heures, donc il doit déjà retravailler. C'est pire, c'est que c'est vrai. Et tu dois faire une disserte aussi. Tu dois faire dompter les atomes. Bah, je suis désolée. Mais tu vas devoir travailler. Tu vas devoir travailler pendant l'anniversaire de ton père. Oh, c'est pas un garçon qui est très social, hein. Du coup, ben... attendez, allez, je veux dire, ils sont où, moi, ils sont là. Ça va. Salut, salut. Se tenir par la main. Oh là là. Salut, Jonathan. Donnez une bonne baffe. Bon, il travaille, mais il continue quand même à parler avec son cousin. Cousin qui a un pantalon rose de toute beauté. Taquiné de manière malicieuse et en lassé tendrement sa maman. Voilà, il a servi. Non mais t'as faim? Ah oui, t'as faim. Bon bah écoute, ça va être festival du prout, moi je vous le dis. Ok. Oh bah ça y est, les vénères. Tu vas discuter ici, tu vas appeler tout le monde. Vous allez vous asseoir et discuter ici. Voilà, comme ça tout le monde rentre. Il n'y a pas trop de monde dans cet anniversaire, mais bon. Qu'est-ce qu'il a... Oh là là! Mais il va claquer, hein! Il m'énerve, hein! Elle est trop facile d'être à choper, cette fille. C'est une fille facile. Hé! Hey, monsieur, là! Il y a du truc à, qui proute, là! Allez, on va souffler les boujax. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Eh oh! Dans le chat et dans l'ardif! Putain, mais Coco, c'est... Là, c'est plus des seins qu'elle a, c'est des obus. Oh! Salut Céline, comment ça va? Ripé la dragouille à tout voir. Non, mais là, on n'a plus le temps. En plus, c'est vrai qu'il se calme un peu parce que vu qu'on est sur son fils, le concours. Le concours de quoi? Les événements, ça me stresse toujours, je sais pas pourquoi. Bon, hé, ça suffit, là, les deux. Je vous jure, il va y avoir une baston. Oui, tous les deux, j'ai dit. Il est beau, Pulco. Oui, il est beau. Non, je suis pas prête. Non, non, anniversaire puant. Pourquoi puant? Allez. Adieu, Bordeaux, le beau gosse. Attention! Oh! Le vieux! Ça marche pas quand je fais une capture d'écran. C'est pas grave. Je sais ce que je vais faire du coup. Je vais le faire avec mon PC. Parce que ça marchera pas avec... Hop! Imprime écran! Et il est tout vieux, tout pourri.
Happy birthday Bordeaux! Il va crever, hein. Moi je vous le dis direct. Hein. Il est enragé. Il va mourir. Va te calmer! Quoi, le feu? Pourquoi il y avait un feu? Effondrement émotionnel. Mais non, c'est bon là, ça suffit. Oh punaise. Oh là 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 là. Ne meurs pas avant de te marier. Non, tu vas pas prendre, toi, t'as déjà mangé. Bon, Pulco, il se prend un bout de gâteau, c'est bien. Plus t'as faim, c'est parfait. Embrassez les mains. Allez, vas-y. Oh, on va prendre la facilité, hein. On va choper Macy, hein. Elle est là, elle est dispo. Jean-Pierre, il a pas voulu venir. Eh ben, tant pis pour lui. En fait, c'est juste pour... parce que s'il crève, parce que il a des émotions en dents de scie, là, un peu comme ma connexion au serveur YouTube, ça marchera pas. Alors, tu vas là, lui rouler une péouse ou quoi, là? Mais qu'est-ce que... J'ai dit, tu l'embrasses. Excusez-moi, c'est les chats qui font du bruit. Allez! Mais non, pas toi, Tyrion. Oh, dragué. C'est une chaudasse! Hop, allez, petite amie. Il va se passer des trucs bizarres, moi, je dis. Est-ce qu'elle va accepter? Mais qu'est-ce qu'elle est bête! Mais qu'est-ce qu'elle est bête! Qu'est-ce qu'elle est bête! Allez, complimenter l'apparence. Envoyer un baiser. Allez, on n'attend pas, là. On embrasse. Invite à rester dormir. Oh, puis elle pète en plus, magnifique. Magnifique, c'est très romantique pour une pose sexy. Ah oui, c'est bon, alors demander en mariage. Allez, hop. C'est ça qui va rappeler des souvenirs. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non. Bah, je suis sûre qu'il vient de péter aussi. Je suis sûre, regardez à son air. Je suis sûre qu'il vient de péter. Récompense gagnée. Oui, bah j'ai pas du tout suivi, j'avoue. Faut que tu bosses tes cours. Il a fait ça. Alors. C'est encore Tyrion qui fait le con. On est quoi? On est mercredi, donc c'est jeudi. Donc d'accord, j'ai fait un truc qui sert à rien. Ah, si, jeudi, c'est bon. Jeudi, celui-là. Robot de terre, de mer et du ciel. Tu vas faire ça. Hop. Allez. Dormir ici, génial. Très bien. Allez. Quelle coquine. Demander en mariage. Tu le fais ou t'attends la cinglinglin là? T'attends que tu sois sous terre. Bordeaux. On est prêt, on n'est pas prêt. Oh bah, et Jean-Pierre, il est pas venu, hein. Bon, ça a annulé mes actions. Je m'étais endormie comme un caca. Eh ben bravo! Ça m'a pas validé mes actions, je vais m'énerver. Ces Sims de mort, ils vont m'énerver. Ah, ça y est. Et elle dit oui. Mais qu'elle est bête. Mais t'es trop bête. Mais t'es trop bête, Macy. T'es trop bête de dire oui à celui qui t'a déjà pourri une fois, qui t'a planté au mariage. Il t'a planté comme un vieux caca. Allez, tu vas te marier, direct. Vous allez vous marier, là. Ce coup-ci, il n'y a pas d'annulation. Et puis, il pleut dehors. Ah, c'est beau.
Mais non, elle l'aime, c'est tout. La vache, il l'a quand même traité comme une vieille merde, hein. Oh là là, c'est déjà la fin de la génération rouge. Quelle tristesse. Et Bordeaux s'est rendu compte de son erreur. Il n'était pas prêt de sa faute. Oui. Ah, c'est pas beau du tout, tout ça. Tout le monde applaudit dans le chat, dans les coms. Vive les mariés! Cette fois-ci, pas de cérémonie, tout ça, c'est à l'intime. Et bien sûr, on fait emménager Macy Grow Kramer! Et on gagne des sous! Par contre, tant mieux, il n'y a pas de temps de chargement, ça c'est trop cool. Quelle magnifique cérémonie! Bon, allez, vous allez niquer! Pardon. Allez, petit crac-crac! Parce que maintenant il est vieux, hein, il fait ça dans un lit. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il travaille toujours? C'est très bien, regardez, il fait ses devoirs. Bon, on dirait qu'il a toujours pas avancé, mais c'est pas le cas. Hein. Il a 75%. Après, il ira faire un bon dodo. Pendant ce temps-là, ses parents se sont mariés, lui, il n'était pas au courant. Merci pour les clap-clap et les mains. 15 messages ont été supprimés. Oh, Angel, t'as mis trop. La vache, je suis désolée. Mais bon, 5 secondes, ça va. C'est pas trop trop. Ah, mais il avait déjà agi sur qui? Sur Lynette. Oh, je suis désolée. Il veut pas que je les attrape, ces saloperies de chat. Bon, maintenant, on peut faire qu'une seule fois crac-crac pour Bordeaux, parce que... il est vieux, donc il va mourir après. J'en ai mis deux. Ah, c'est sérieux? Twitch, Nightbot, il abuse. Hein. Wouh! Oh bah, elle s'est dit, oh bah, c'est devenu un vieux lézard maintenant. Ah, il est parti se coucher. Et bah, c'est parfait, il est parti se coucher. Je vérifie s'il a bien travaillé. Il a fait ses cours. Et bah, c'est très bien, donc je vais enregistrer. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé. Eh bien, cette rediffusion, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, peut-être pas sur YouTube, mais en tout cas sur Twitch, je vous y attends. Des gros bisous et à très bientôt. Ciao !